Madame, monsieur, bienvenue à bord d'Air Migration. Vous avez étudié, travaillé, fondé une famille en France, mais pas de chance, vous vous êtes fait gauler dans le métro. Écoutez ces quelques instructions pour que le voyage se passe dans les meilleures conditions. Afin de ne choquer personne, le migrant raccompagné sera interprété par un blanc, qui sera bien entendu accompagné de son propre personnel navigant. C'est sans doute votre premier vol, profitez de l'accès en prioritaire avant même les premières classes. Si vos bagages sont gros, ils doivent absolument voyager en soute. Mais s'ils sont petits, vous pouvez les garder en cabine, sous votre siège. Une fois assis, bouclez votre ceinture de sécurité et ajustez-la à votre taille. Pour les autres attaches, relaxez-vous et laissez votre personnel accompagnant s'occuper du reste. Avant le décollage, n'oubliez pas de mettre vos appareils en mode avion. En cas de dépressurisation de la cabine, des masques à oxygène tomberont. Mettez le masque sur votre visage et tirez pour libérer l'oxygène. Une fois votre masque ajusté, il vous sera possible d'aider d'autres personnes. Donc faites-le. En cas d'amerrissage d'urgence, des gilets de sauvetage sont situés sous votre siège, même si, avouons-le, ils vous auraient été plus utiles à l'aller. Passez votre tête dans l'encolure et une fois à l'extérieur de l'avion, tirez sur les poignées. Des issues de secours se trouvent de chaque côté de l'appareil. Votre personnel navigant vous aidera à vous détacher, mais restera habilité à vous tenir en respect si vous en profitez pour vous échapper. Lors du décollage, les volets des hublots doivent rester ouverts, ce qui vous permettra de jeter un dernier regard sur la France. Mais si notre pays vous manque, un fascicule à bord vous présentera tous les articles de notre boutique Duty Free afin de garder un souvenir impérissable de notre accueil. Lors de votre arrivée, attendez l'arrêt complet de l'appareil avant de vous faire détacher et de rejoindre votre pays, libre. Attention toutefois à la chute d'objets. Au nom de toute l'Europe, merci de voyager avec nous. Nous espérons vous revoir rapidement à bord de nos appareils. Mais nous savons que ce sera le cas car dans 30 ans à peine, vous serez plus de 250 millions de réfugiés climatiques à fuir les catastrophes naturelles. Et là... ce sera vraiment la merde.